chien ou votre chat ne s'exprime pas avec des mots, mais avec des attitudes, des expressions et des positions du corps. Une bonne observation vous permettra d'en identifier beaucoup et de les comprendre. Nous allons passer en revue les expressions les plus courantes. Identifier et comprendre les attitudes de base de votre animal vous permettra de répondre au mieux à ses besoins et ainsi d'assurer une partie de son bien-être. Cela vous permettra aussi d'expliquer ces attitudes à vos proches pour éviter tout geste déplacé, tout danger ou au contraire pour favoriser le contact. Prenez le temps d'expliquer à vos enfants et à leurs amis comment réagit l'animal et comment on doit réagir en retour. Expliquez-le aussi aux adultes qui sont parfois encore moins attentifs que les enfants. Enfin, si parfois certaines attitudes de votre chien ou de votre chat vous paraissent incompréhensibles, voire anormales, n'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire. Expert de la santé de l'animal, il est aussi du comportement. Purina, leur bien-être, notre passion.